ces flashs d'informations, c'est demandé pour la folie. La rédaction s'intéresse au Tchapalou, cette boisson locale très consommée dans la région des Saints. C'est une histoire de culture selon certains ressortissants, mais les femmes qui travaillaient dans la transformation du Tchapalou disent rencontrer désormais difficultés. Le produit basin est en hausse depuis le début de l'embargo. La balle non teintée a augmenté de plus de 70 000 francs CFA. Les teinturières artisanales ainsi que les clients dénoncent une flambée qui intervient à quelques semaines de la fête des Tabaski. L'association des élèves et étudiants du Mali menace d'aller en grève de 72 heures à partir du 22 juin prochain. L'AIM dénonce notamment des problèmes liés aux salles de classe et la mauvaise condition des toilettes dans les universités. Mise en place d'une commission pour la rédaction d'une nouvelle constitution au Mali. Elle a été annoncée au journal officiel par un décret présidentiel adopté ce 10 juin. L'équipe de rédaction comprend notamment un président, des rapporteurs et des experts. Les États-Unis encouragent le Mali et la CEDEAO à parvenir à un accord. Au même moment, le président sénégalais Macky Sall déplore la décision prise par les autorités d'annoncer la prorogation de la transition alors que les négociations sont en cours. Et enfin, la direction de l'information et les relations publiques des armées, DIRPA, affirme que les femmes ont neutralisé près de 200 terroristes au cours du mois de mai 2022. C'était au cours d'un point de presse ce matin à Bamako. Fidèles abonnés de Mali Kounafo Les Shows, c'était tout pour aujourd'hui et à demain, Inch'Allah.